aussi à de lourdes peines. En tout cas, les forces de l'ordre entourent désormais l'entreprise dans laquelle les employés de Marax sont reclus, et la préfecture a même prévu d'envoyer un négociateur sur place dans la matinée, je crois, pour entamer des négociations. J'ai trouvé de mieux pour pas t'avoir sur le dos. Peut-être que tu sais que c'est pas la meilleure chose à faire dans ta situation. Le jour où j'aurai envie d'avoir des gosses, j'arrêterai de fumer, ok? Arrête de faire semblant. Je le garde pas de toute façon. Ça fait un mois que tu dis ça. T'as toujours rien fait. J'ai pris rendez-vous. Si c'est vraiment ce que tu veux. De toute façon, tu m'auras plus sur le dos bien longtemps. Qu'est-ce que tu racontes ? Je m'en vais. Quoi ? On s'est allé trop loin. Daniel, les bonbonnes de gaz, maintenant les flics. Toi non plus. Beaucoup de gens se posent des questions, tu sais. Beaucoup comprendraient. Je sais pas. Le négociateur va bientôt arriver. Faut que je sois là pour les défendre. Je dois rester. Je m'en doutais. Je te souhaite bonne chance. Dani, je peux te parler, s'il te plaît? Je vais nous laisser 2 minutes, là. Et puis emmener la bouffe, en même temps. Allez! Ok, ça va. Calme-toi, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Muriel est partie. Quoi ? Elle est partie ? Mais elle avait peur que ça finisse mal et honnêtement, je peux pas lui en vouloir là. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tu le sais très bien. Je t'avais dit de pas faire de menaces. Non mais tu te fous de moi ? Heureusement je suis là pour agir. Sinon on aurait toujours 2-3 journalistes pour nous écouter. Non mais t'as vu... Aujourd'hui les patrons ils sont obligés de nous. Est-ce que t'as vu tous les flics dehors là ? Ça devient n'importe quoi. Non mais qu'est-ce qu'il te faut pour qu'on commence à bouger ? Hein ? Que l'entreprise ferme ? Aucun de nous résisterait. Négociateur. Bonjour, vous êtes bien la déléguée du personnel ? Emmanuel Meyer. Henri Satier. Je vous en prie. Merci. T'as intérêt à assurer. Il fait toujours aussi chaud ici ? La clim est en panne. Va nous apporter des bouteilles d'eau. Donc, compte tenu du chiffre d'affaires dans l'entreprise, nous exigeons des garanties, telles que l'augmentation des indemnités de licenciement. Mademoiselle Meyer, j'entends ce que vous me dites, mais je crois que vous ne comprenez pas bien la situation. Tous les employés présents ici encourent 5 ans de prison. Plus le temps passe, et plus la peine s'alourdit. Et pourquoi vous croyez qu'on continue à se battre ? Si on en est là, c'est que les choses vont mal. Vous savez ce qui se passe à Marax ? Vous espérez quoi ? Qu'on attend de tous se faire licencier sans rien faire ? Mais vous n'êtes pas tous concernés par la restructuration. Vous, par exemple, je peux vous garantir de vous trouver un emploi dans une autre filiale que Marax. Vous devez être vraiment désespéré pour me faire une telle proposition. Mais simplement pragmatique. Mademoiselle Meyer. Je vous comprends. Vous êtes encore jeune.
pouvez rebondir. Vous voulez vraiment passer les prochaines années en prison? Quoi qu'il en soit, l'entreprise ne négociera jamais avec les preneurs d'otages. La seule façon d'obtenir des négociations est de faire libérer le DRH. Pour cela, il suffit de me donner votre accord et je préviendrai le siège. Merci. Mademoiselle Meyer, on peut reprendre, s'il vous plaît? Oui. Putain, tu m'as menti! Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as pu me cacher une chose pareille? Toi, s'il te plaît. Mais comment veux-tu que je me calme? Écoutez, monsieur, on est en pleine négociation. Monsieur, mais j'en ai rien à faire de vos négociations de merde! Mais vous allez vous calmer, oui. Mais si... Oh, 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 il n'y a plus aucune négociation qui tienne maintenant. C'est entre vous et la police. Enculé, t'as enfoiré. Mais comment t'as pu? Tu savais que l'entreprise ferme à la fin de l'année. Et tu me l'as caché. Tout ça, c'est à cause de toi. C'était à toi de me le dire. Et pas à Jérémy. Qu'est-ce qui se passe? Je vous sors d'ici. Prenez vos affaires en silence. Quel côté tu es? De celui des employés. Alors pourquoi t'as fait ça? Parce que le libérer, c'est la seule façon de désamorcer cette putain de situation. C'est toi qui dis ça. Mais t'as rien compris, Danny. J'essaie de sauver ce qui peut l'être. Donc tu abandonnes? C'est facile pour toi. T'as pas de famille. Mais c'est vous, ma famille. Je peux pas te laisser rester ici, t'es en train de tout gâcher. Tu peux pas me faire ça. Danny. C'est fini. Prends tes affaires. Et va-t'en. De toute façon, t'auras pas de mal à trouver du travail. T'es toute seule. Police! Police! Tourne-toi! Tourne-toi! Alpha 1, autorité. Système maîtrisé. Autorité Alpha 1, préparez-vous à intervenir.